Cette vidéo vous est présentée par mon partenaire Eneba. Profitez des meilleurs prix du marché sur toutes vos clés CD de vos jeux et plateformes préférées. N'hésitez pas et n'oubliez pas pour les clés CD le code promo YOMAX. Yo la famille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les mecs. Le lundi, c'est mon jour préféré, c'est les récompenses FUT Champions, la Eneba Cup et mes récompenses FUT Champions. La Eneba Cup, je vous ai dit la semaine dernière, je ne vais pas vous faire un récap chaque semaine. On se plonge dans le vif du sujet directement les gars avec les packs de NB avant toute chose, bien évidemment la famille. Petit récap quand même du classement de la semaine dernière. Le classement les amis, il est là. Donc le classement c'était Madrid qui avait terminé en tête la semaine dernière, suivi de près par Fares de près. Ppas vraiment, il met une fuite en fait Madrid. Faucheur qui est 3ème, NB 4ème. On va commencer par NB les mecs. Et Alex TV 5 pardon, 13 qui est 5ème les gars, vous avez capté. Comme d'habitude les gars, la Eneba Cup sponsorisée par Eneba. Les gars, je voulais juste vous passez un petit message de remerciement. Merci à tous de votre soutien. Je vous aime la famille, je vous aime les gars. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dépassé les 400 000 followers sur Twitch. Des cœurs sur vous. Merci à tous de votre soutien. Merci de me faire vivre de ma passion les mecs. C'est une passion bizarre, c'est un métier qu'on s'est inventé, qui n'existait pas à la base quand on a commencé YouTube. Maintenant on est des streamers, youtubeurs, snapchatteurs les gars. Yomax38 sur Snapchat, TikTok, ifi-du-bas Yomax. Merci les gars, on a même des partenariats et grâce à vous les mecs, grâce à votre soutien, on peut faire une Eneba Cup, c'est-à-dire une compétition de pack opening entre guillemets les mecs, où il y a des récompenses pour le gagnant. Il y a 500 euros les gars pour le premier, 400 euros pour le deuxième, 100 euros tous les mois à gagner dans la Eneba Cup. Les gars, les 5 participants, Madrileño, Faucheur, NB, AlexTV13 et Fares la famille, ça fait plaisir. Merci à tous les gars, Eneba, le lien est en description. Vous avez le code promo YOMAX les gars pour avoir 5%, n'hésitez pas de passer par mon lien d'affiliation. Et regardez, j'ai même mis, regardez, un autre sponsor que j'ai pu avoir grâce à vous, grâce à votre soutien, les gars. Level Up, les boissons énergisantes, la famille, Level Up. Code promo YOMAX aussi, vous connaissez Crazy Monkey, un goût excellent. C'est pour ça que j'ai ramené celui-ci, il est excellent. On parle tout le temps du Galaxy Edition. Celui-ci, il est magnifique, les gars, plein de goût sur le site. Tu trouveras ton bonheur, les gars, n'hésitez pas chez Level Up. Bref, les gars, merci à tous du fond du cœur de me faire vivre de ma passion, les gars. On est parti pour un gros pack opening, j'espère qu'on va avoir du lourd, la famille. Un petit Sadio Mané pour le frérot. Allez les gars, on est parti, deuxième choix rouge de la semaine pour NB. Oh, Thomas Müller. Thomas Müller, c'est deuxième, troisième meilleure note les gars. Ouh, elle est belle. Elle est belle mon NB frérot. Elle est belle, deuxième, troisième meilleure note. Tu sécurises 15 points là-dessus frérot. Elle est belle celle-ci, je te le prends, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix là. Il y a Guardiola aussi, mais bon, tu vas pas jouer avec, c'est bon frérot hein. Elle est belle, elle est belle. La prédiction est terminée. Est-ce qu'on va avoir une carte événement là-dedans? Ça le mettrait bien. Prédiction, 28% oui, 3,58 de cote. Allez les gars, pack ultime pour NB les gars. Comme d'hab hein, dans la description les gars, vous avez le lien de son Twitter. L'animation, oui là. Champions League lequel? Vidal les gars. Oh il est trop bien. Il est trop bien. Il est trop bien NB les gars par rapport à la compétition. Il est trop bien. La vérité il prend. Là il prend 15 points déjà. Sachant qu'il peut y avoir note 90 plus derrière par exemple. Donc là il prend 15 points. NB il nous voit plus dans le rétro là. Ma parole, NB qui prend une avance là. Vous allez voir les gars, vous êtes choqués. NB avec Vidal les gars, il prend 15 points. Mais surtout, il est au foot et il verra ça quand il revient, il sera choqué. Les gars, derrière Arturo Vidal, est-ce qu'il a d'autres animes? Ce serait insane. Oh, malheureusement, il n'a pas d'autres animes, peut-être en doublon. Ok, bon, c'est déjà beaucoup quand même. 15 points, les gars, avec Arturo Vidal. Caissier dans le pack. Ok, 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 ok. Pas mal du tout pour lui. Maintenant, il y a un deuxième pack. Et c'est là-dessus peut-être que NB va prendre l'avance ultime. Peut-être là, on est en train de vivre le meilleur pack opening de l'année. De la Eneba Cup. Genre, c'est celui qui a le plus de points sur FUT Champions. Si la année, ce sera le cas, je vous le dis, les gars, parce que ce serait insane là. Boum! On est parti, pack Tyrosoic Premium pour NB. L'animation est là. Argentine, Romero, les gars. Romero 84, Romero caméra 84, les gars. Ça lui donne aucun point. Mais c'est pas grave, puisque NB, les gars, clôture la semaine, je vous le dis, hein, avec 60 points. 60 points, je vais vous dire, est-ce que la semaine dernière, quelqu'un avait fait... Oh! La semaine dernière, Fares, il avait fait 60 points. Et Madrileño, il avait fait 75 points, les mecs. Donc voilà, on est quand même sur... voilà, pas la moyenne, mais la moyenne haute, on va dire. Bah, on va lui laisser là, on va lui laisser là, parce qu'il a une pile de transferts, elle est pleine. On va passer sur le compte de... On est parti, les gars, pour les récompenses de Fares, les mecs. Fares, qui a deux choix rouges. Il a pas terminé rang 3 ou rang 2, je crois. Ouais, je crois, non, je crois rang 3, c'est pour avoir deux choix rouges. Il a fail, hein. Il a ouvert un pack sans faire exprès. En plus, il avait une Navas, donc il rate des points. Comme Faucheur la semaine dernière,
Bon, Faucheur, il avait fait pire, il avait tout ouvert. Donc Fares, il a encore deux chances, les gars, d'avoir du lourd. On espère pour lui, les gars. Son Twitter dans la description. Les gars, on est parti. Premier choix rouge pour Fares, messieurs, dames. Ce sera... Hernandez. Oh, Depay. Lourd. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Ah, mais du coup, tu sécurises, là. Sûr, il est cette semaine. Depay, tu sécurises. Hein. Tu sécurises au moins autant de points que NB. Les gars, deuxième choix rouge pour monsieur Fares. Ce sera... Milinkovic-Savic ou Yarzabal. Il a le choix, les gars. Du coup, il termine avec la 4ème, 5ème meilleure note de la semaine. Donc 10 points, les gars. Les gars, est-ce que Fares va obtenir une carte événement comme NB? Une carte héros, ça le mettrait bien. 20 points. Une icône, les gars. J'en ai jamais eu sur le compte des gens. On est parti, les gars, pour le pack ultime de FIFA 22. L'animation est là, les gars. Elle est bonne, je crois. Oh, c'est Modric. Modric avec... Oh! Double anime! 10 points au lieu de 5. Ma parole, tu... Ma parole, t'es bien. T'es bien, gros. Oh, presque triple anime, gros. T'es pas passé loin. Les packs boost, par contre, c'est terrible. Les packs boost, par contre, c'est incroyable. Regarde, Faucheur! Regarde les packs boost, comme c'est beau. Comme c'est magnifique. Boum! Ah, c'est vraiment sur le même type de pack boost que notre ami NB, les gars. Avec Rafinha, les gars. C'est pareil, c'est vraiment le premier pack qui est éclaté, le deuxième Rafinha. Pas de points. Oh, Romero avec, tu vois, ça va. Bon, bah écoutez, Romero, Rafinha, Yaremchuk. Du coup, Fares, les gars, ne prend pas plus de points, hein, malheureusement, avec ses packs boost. Et il finit cette semaine, les gars, avec 50 points. On fera un bilan à la fin, bien sûr. 50 points, toujours 10 de moins que NB. Les amis, on est parti sur le compte de Faucheur pour ouvrir ses rouges. Cette fois-ci, il n'a pas oublié. Ça fait plaisir, Faucheur, d'avoir tes récompenses. Faucheur qui est 3ème de la compétition avant aujourd'hui, bien évidemment. 98 points pour Faucheur. Donc voilà, un petit retard sur Fares, mais un gros retard sur Madrid. Madrid, on a hâte de voir ses récompenses qu'on ouvrira à la fin, les gars. On est parti pour les rouges de monsieur Faucheur. Va-t-il avoir une note qui lui rapporte des points? Va-t-il avoir mané les mecs? Il a eu Son la semaine dernière, même si on ne l'a pas ouvert, les gars. Et là, pour premier choix, oh, Müller. Il est bien, les gars. Il prend ses petits points dès le début. Elle est belle, les gars. Y a-t-il deux joueurs du même championnat? Pas du tout, les gars. MLS, Suisse, Belgique, Portugal, Allemagne. Müller, on prend Müller, je pense. Il n'y a pas de choix intéressant. Deuxième choix rouge pour Monsieur Faucheur, les gars. Oh, Mané, il va tomber un jour ou c'est comment? Y a-t-il deux joueurs du même championnat? Italie? Non, il n'y a pas. Ouloulouloulouloulouloulou. Lozano ou Rafinha, mon Faucheur? Je sais même pas, prends n'importe. Mais moi, je vais te prendre Lozano, frérot. Troisième choix rouge pour Faucheur, peut-il avoir mieux que Müller? Ce serait que Mané. Hein. Navas, ça compte pas, les gars. Va-t-il y avoir Mané? Oh, deux fois Müller. On cumule pas les points, malheureusement. Eh ben, on va partir sur eux. Bah, tu me dis, frérot. Plus 15 en ayant la deuxième, troisième meilleure note de la semaine. T'as déjà 45. Hein. Prends un autre Müller, servira à rien. On est d'accord. Bon, allez, on prend. Allez, Valencia au pif. Bon allez, là, faut que ça paye à partir de maintenant. Là, c'est vendable. Oh! Italie! MDC! Oh! Tonali! Oh, il a une carte Tonali, les gars, j'avais oublié. Trop bien! Faucheur, alors ce pack ne compte pas, fait pas partie de ses récompenses, c'est des petits packs qu'il a fait en plus. Merci, Faucheur. Ils sont vendables, donc t'es vraiment bien, mon Faucheur. En vrai, t'es un petit pack en plus, comme ça. T'es bien, pas mal. En plus, vendable. Hein. Ça vaut ça, non? Bah, je crois, frère, regarde les stats. Évolutif avec des stats comme ça. C'est joli quand même. Oh, oh, oh. Un petit... Oh, mais Faucheur, c'est le compte le plus chanceux de la compétition. Quand ça compte pas. Quand ça compte pas, par contre, à chaque fois. Elle est belle, Faucheur. Ils sont avec Liverpool et l'Atletico. Ça... Oh, l'animation. Oh, la grosse animation. Anglais, BU, Kane. C'est sûr. Kane, les gars. Oh, mais t'es... Mais... Après, Faucheur, il pack du lourd. Tu prends les 30 000 crédits qu'il te donne, Kane, je pense, mon Faucheur. Hein. Les drafts qui payent pour Faucheur, hein. 40 000 même sur play. Bah non, 30 000, 30 000. C'est toujours ça de prix, hein. Faucheur va-t-il avoir une animation pour récupérer au moins 5 points? Donc à 86+. Va-t-il avoir peut-être une carte événement pour récupérer 15 points? Un héros, les gars, pour 20 points. 20, 30 points, une icône. C'est le moment du pack ultime, la Famax. L'animation, la bonne animation, les gars. Belge, MOC. BU Lukaku 88, les gars. Je crois que ça peut cacher des joueurs Ligue des Champions en plus. Donc on est sur un bon départ de pack. RTTK, putain, RTTK c'est dur à dire. Lukaku les gars, avec peut-être quelque chose de plus. Aubameyang, non, mais ça vaut. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool, ouais, c'est petit 10K et un doublon. Pas de doublon les mecs, tu prends 8 points déjà. Déjà frérot, t'as pris 3 points de plus que Fares cette semaine.
3 points de plus que Fares. Mais Faucheur qui passe devant Fares. Faucheur qui a un point d'avance sur Fares sans avoir ouvert ses packs élites. Actuellement, je parle. Sans avoir ouvert les packs élites. Il a 3 points. Il a un point de plus que Fares. Attention, Fares. Pack Team Housewake Premium, le deuxième. Je me rappelle, j'avais fait ça quand j'avais packé Messi. Allumez le feu. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça, les gars. Dernier pack pour Faucheur. Va-t-il y avoir Mané? Ou alors Navas? Ou 88 Muller, les gars. C'est parti. Wesh, Oyarzabal te suit, frérot. Oyarzabal te suit. Bon, on verra s'il y a Théo Hernandez dans ce pack, les gars. Dans tous les cas, tu finis la semaine à 53 points, c'est-à-dire 3 points de plus que Fares. Quand même, mon faucheur. Et il n'y a pas Hernandez. Pour le moment, les mecs, on a fait 3 récompenses. On a commencé avec NB qui a pris 60 points, Fares 50 points et Faucheur 53 points. Et en vrai, regardez, ça resserre le classement parce que NB, je pense... Du coup, il a pris 10 points de plus que Fares, donc il passe largement devant lui avec 4 points d'avance, je crois. Ça fait ça, les gars, je suis pas bête. C'est comme s'il avait 106. Ouais, 6 points d'avance, ça lui fera, en gros. Et il aura 5 points de retard Faucheur sur NB. Si mes calculs sont bons de tête, hein. On fera le classement bien à la fin, les gars. Mais je crois que, voilà. Donc ça se resserre, hein. Ça se resserre, en vrai, là. Pour les 3, ça se resserre. Maintenant, il y a Madri, parce que Madri va conserver sa tête. Et Alex TV aussi. Bon, on va passer sur le compte de Alex TV. Alex, t'es là, frérot. Les amis, on passe au compte de Alex TV 13. Le frérot qui est grave en retard, on va pas se mentir. Hein. Alex qui a 85 points. Donc là, faut maner, les frères. Faut maner, j'ai envie de te dire tout de suite. Boum, Sadio Mané, c'est fait comme ça pour lui. Oyarzabal, qui est 4ème, 5ème meilleure note. Il sécurise un petit peu de points, les gars. Est-ce que Alex va refaire son retard, les gars? Mané! Mané, il veut pas tomber, le frère. Mané, il veut vraiment pas tomber. Troisième et dernier choix rouge. Non, mais je crois que c'est officiellement... Je pense qu'on peut arrêter la compétition là. Pour toi, Alex, tu peux give up. Alex, c'est le pire chaque semaine, en vrai. Communiqué officiel, je quitte la compétition et les backups. Les gars, on est parti. Pour le pack de Alex TV, le pack de ses récompenses, Fut Champions, le pack ultime, vendable, les mecs, là où il peut obtenir des bons points. Ils ont tous eu au moins une anime là-dedans, les gars. J'espère que ce sera la même pour Alex, surtout qu'il a du retard, donc c'est pas le moment de flancher. C'est maintenant qu'il faut avoir du lourd, l'animation, les gars. Petite animation, je crois, les gars, 86. Aïe, 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 aïe. Mais en vrai de vrai, c'est des petites animes, ça rapporte que 5 points. Aïe. Il y a deux Espagnols, les gars, au passage pour la prédiction. Ah, je me suis trompé. Oh là là, petite erreur du joueur français, les mecs. Oh là là. Fares va pas être content s'il est toujours là. Petite erreur du joueur français. J'avais mis 10 points pour Fares, les gars. Note 86+. Malheureusement, Fares, c'est 5 points, 86+. Ah non, t'en avais eu 2, en fait. Je suis fou. En fait, j'avais raison. Non, je suis un fou. Excusez-moi, pas d'erreur pour le joueur français. Deuxième pack, Team Housewake pour Alex. Ça bouge pas de semaine en semaine. C'est pour le moment le pire. Peut-être qu'on va tout changer avec ce pack. Team of the Week. Oui. Oh oui. Oui, personne n'a pris des points sur ce pack, frérot. Et toi, tu les prends. La roue tourne. La roue tourne. Deuxième, troisième meilleure note de la semaine. Tu prends 15 points, la Famax. 15 points, frérot. Deuxième, troisième meilleure note. 15 points, gros. Et ces 15 points, ils font que seulement tu es désormais à égalité avec les points de personne. T'es quand même en retard sur les gens avec ces 15 points, je crois. Ah non, tu prends de l'avance, je suis un fou. On remonte un peu. En vrai, tu récupères des points là sur le reste. 15 points. Oh, 60 points. Et t'as les meilleures récompenses du jour avec NB, frérot. Vous avez eu tous les deux 60 points. Après, le pack vaut rien hein, en termes de crédit. Mais en vrai, Alex, je trouve que tu t'en sors bien. En soi, tu t'en sors bien, mon Alex, la famille. Vraiment, 60 points. Tu récupères des points sur Faucheur et sur Fares. Donc déjà, c'est bien. Et peut-être sur Madri, on va voir. On va ouvrir ses récompenses à Madri tout de suite. Les gars, on est parti du coup sur le compte de Madri, les mecs. Comme d'habitude, il y a dans la description pour le Twitter de Madri. Va-t-il rester en tête la semaine dernière, les gars? Je vous rappelle, Madri avait mis une fuite à tout le monde avec 15 points d'avance. Là, il suffit qu'il pack Mané et je crois qu'il reste en tête cette semaine, les gars. Il suffit de packer Mané maintenant. Il l'a pas vu une seule fois dans les rouges. Pourquoi on le verrait maintenant? Dis-le-moi. Les gars, je prends qui? Enfin, Madri, je prends qui? 86 plus, il n'y a pas eu, les gars, pour l'instant. Là, il n'y a pas de points sur ça. Hein. Et Camille me dit Rafinha. Et je vais prendre Rafinha, je vais écouter Camille. Les gars, deuxième choix rouge. Pour Madrileño. 86 au moins. 85, les gars. Oh, Muller. Oh putain, il sécurise pas mal de points. Il leur met une fuite, les gars. Muller, c'est combien de points tout ça? Oh là là, 15 points, les gars. Et, Madri qui va rester en tête, je pense. Hein. Je sais pas si c'est encore validé qu'il reste en tête, mais là, il est bien. Troisième choix rouge, messieurs, dames. Oh, il est refait. Il a eu les meilleures récompenses du jour. Il a eu les meilleures récompenses du jour. Ah, il est vraiment refait. Madrileño, celui qui a le plus de chance pour le moment dans la compétition.
Donc celui qui lui donne des points, c'est Muller. Mais le meilleur joueur ici, bien évidemment, c'est Hernandez, les gars. Franchement, il est bien. Allez, les gars, on est parti pour le dernier pack de Madrid, les gars. Cette semaine, Madrid va encore finir en tête. Maintenant, il a peu d'avance, donc ça s'est vraiment resserré. Sauf si, bien sûr, il nous sort un Mané. Il y a aussi Navas, les gars, et Muller qui peuvent donner des points sur ce pack. Donc, pourquoi pas? En vrai, Madrid, quand même chanceux. Alors, voyons voir, les gars. La grosse anime. Et ça donnera pas de points, les gars. Romero. Tant mieux pour le bonheur de la compétition, puisque, les gars, j'avais prévu le coup. Le classement final de cette semaine, qui n'est pas encore mis à jour, les amis. Le voici à jour tout de suite, les mecs. Madrid qui est toujours en tête, mais il a seulement 4 points d'avance, les gars. Il avait 15 points d'avance la semaine dernière, les mecs. Et oui, c'est celui qui a eu la moins bonne semaine, finalement. Alex qui a refait un peu son retard, les mecs. Et au final, les 5 personnes, ils sont dans un mouchoir de poche, les gars, avec 15 points de différence. Donc la Eneba Cup tient toutes ses repromesses. Je propose de voir Romero et qui y a derrière avec Romero, les gars. L'Eneba Cup tient toutes ses promesses. Et pour le moment, il n'y a pas une grosse avance, les gars. Tout peut changer. Hein. En attendant de voir la première icône qui serait peut-être Game Changer et qui permettrait à la personne qui la pack de gagner la première compétition. Voilà, les amis. On a terminé pour la Eneba Cup. Et maintenant, on passe à mes récompenses, la famille. Et secrètement, les gars, je suis dans la Eneba Cup. Je me fais un petit dossier à moi personnellement. Comme ça, je vais voir si jamais je peux gagner la Eneba Cup si je participe moi aussi. Je fais des runs maintenant, moi aussi. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker un maximum. Oui, mais pas que c'était très court, les mecs. C'est simple, j'ai rien eu dans mes rouges, absolument rien, les mecs. J'ai eu Théo Hernandez sur mon compte achat revente hier, au passage, les gars, quand j'ai terminé Fit Champions en rouge. Je vais pas ouvrir les packs élites cette semaine. Je vais attendre les prochaines équipes de la semaine. Et pire, si elle est nulle, j'attendrai 2 semaines. Les gars, j'en aurai 4 la semaine prochaine. C'est pas grave, c'est peut-être mieux. J'ai vu tous les packs élites que j'ai ouverts aujourd'hui. Ça me donne pas envie. Et voilà, j'espère dans les prochaines semaines, j'aurai de la chance, les gars. Merci à Florian pour son sub, les gars. On est parti pour le pack ultime. Va-t'en animer ça. La manana, je m'entends partout. Pas de fit avec Rihanna, ni grosse casse, tout c'est la vie que je mène. On dirait que j'ai pas qu'il mané alors que c'est Muller. Pas souvent. C'est mieux que rien, la vérité, c'est mieux que rien. Gabriel Jesus, Koundé, il y a 2-3 éléments intéressants, je pense, dans cette liste. On va tous les mettre en haut. Boum, pile poil. C'est la fin de cette vidéo récompense du lundi soir qui sort certainement le mercredi soir. Les gars, j'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous a plu un maximum. Les gars, on est retour jeudi pour les récompenses Division Rivale. Jeudi, 10h du matin sur Twitch, les gars. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un maximum de likes, je vous aime. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.